Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une école. Plus précisément, d'une institution américaine dans laquelle on observe des dérives depuis plusieurs années déjà. Tout a commencé avec ce TikTok. Et ses commentaires. Et les propriétaires disent que ces accusations sont mensongères. Mais comment autant de victimes peuvent avoir la même histoire? Je n'arrive pas à croire que des parents font ça à leurs enfants. On n'en revient jamais vraiment. Comment ça peut être légal? J'ai regardé un TikTok, deux TikTok, trois TikTok, ce qui ne change pas beaucoup de ma consommation de TikTok habituelle. Mais toutes ces vidéos parlaient de la même institution, la Troubled Teen Industry. My name is Kelly Lorenzo. I'm a survivor of the troubled teen industry. Wilderness program for about a month at 14. I was unable to drink the water because of how dirty it was and I became severely dehydrated. Croyez-le ou non, toutes ces personnes font partie des chanceuses qui ne sont pas mortes dans ces internats. Avant que j'entre dans le vif du sujet, il faut que vous compreniez de quoi on parle dans cette vidéo. Nous sommes dans les années 60, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 20e siècle a été pour le moins mouvementé. Du coup, la plupart des citoyens du monde veulent une chose, la quiétude et la paix. Aux États-Unis, la vie commence à s'uniformiser, c'est-à-dire que tout se ressemble. Les quartiers sont tracés à la règle, tout le monde possède la même voiture, la même femme, et de temps en temps, le week-end, ils vont pique-niquer devant un homme noir qui se fait lyncher. Ok, c'est la routine. Le terme « adolescent » va se populariser après la Seconde Guerre mondiale. L'essor de la musique populaire, de la mode et des médias axés sur la jeunesse a vraiment contribué à l'émergence de cette sous-culture adolescente. En gros, les adolescents sont devenus un groupe social à part entière. Ils n'ont plus à aller à la guerre, ils n'ont plus à travailler à 14 ans, et leur sens des responsabilités change. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, on considérait qu'il n'y avait pas de réelle différence entre un enfant, un adolescent et un adulte. Et d'ailleurs, en Angleterre, un enfant de 4 ans pouvait travailler, et ce jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'est quand même super récent. En France, on a dû attendre le 18e siècle, le siècle des Lumières, pour commencer à se questionner sur les besoins spécifiques de cette catégorie de la population. En 1762, Rousseau écrivait « Pourquoi priver ces innocents des joies qui passent si vite? Pourquoi remplir d'amertume les premiers jours fugitifs de l'enfance? Jours qui ne reviendront pas plus pour eux que pour vous. » Ça, c'était dans Émile ou de l'éducation. La séparation entre le monde des enfants et celui des adultes est de plus en plus nette. Du coup, certains parents sont vraiment perplexes face à ces personnes qui ne sont pas tout à fait adultes et qui ne sont pas tout à fait enfants, et aussi qui sont plutôt enclins à faire des bêtises. Bonne nouvelle! De bons samaritains créent des écoles destinées à redresser les enfants turbulents. Mauvaise nouvelle, beaucoup de parents démissionnaires qui ne veulent plus s'occuper de leurs enfants exagèrent un peu leurs traits pour pouvoir s'en débarrasser. J'ai eu des enfants qui avaient commis des agressions, et d'autres qui étaient simplement irrespectueux ou ne s'entendaient pas avec leurs frères et sœurs. J'avais l'impression que ces élèves étaient expédiés, parce qu'ils étaient difficiles à gérer. Mais le fait est qu'on ne s'occupait pas d'eux. Ces institutions promettent une chose. Contre une petite somme d'argent, nous vous débarrasserons de tous vos problèmes et vous récupérerez un enfant bien gentil et bien obéissant. What do you mean solitary? What do you mean? Solitary confinement. Treating children like they're in a prison instead of a school. Are you serious? She's never told me that. In Utah? Yeah. I'm like, please, can I just go home? I've already been through so much. I promise I'll never go to a club again. Please, like, I can't go back to these places. Like, you've no idea. There was no convincing them, no matter what I said. So I just didn't trust them. It made me not trust anyone, not even my own family. Alors qu'est-ce que la Troubled Teen Industry? L'expression « programme pour adolescents en difficulté », qui est donc la traduction, comprend un grand nombre de réalités. Alors parmi elles, il y a des internats thérapeutiques, des centres de traitement résidentiel, des programmes de pleine nature et des centres de réhabilitation parmi tant d'autres.
Ces établissements sont destinés aux enfants et aux adolescents ayant eu des problèmes de comportement plus ou moins graves. On peut parler de la toxicomanie, de la dépression, des troubles alimentaires. Parfois, ce n'est même pas une question d'adolescents rebelles, de mauvais comportements. Tout commence en 1958 avec une organisation appelée QAnon. QAnon se vend comme un programme de réhabilitation, mais en fait, elle se révèle être quelque chose de tout à fait différent, une secte. Le programme utilisait diverses tactiques assez problématiques pour guérir les internes, l'isolement, la privation de sommeil et j'en passe des meilleurs. Le traitement comprenait même un jeu dans lequel les participants devaient réprimander, rabaisser et humilier la personne ciblée par le groupe, et ce afin de la guérir. Certaines de ces séances ont tourné à la violence. Imaginez-vous, vous êtes au milieu d'un groupe et vous vous faites hurler dessus en fait. C'est tout simplement ça. Bien que QAnon ait été officiellement fermé en 1991, il a inspiré des adeptes à créer des groupes similaires. Certaines de ses ramifications, notamment The Seed, ciblaient les adolescents. The Seed utilisait des méthodes similaires aux techniques de lavage de cerveau employées par les Nord-Coréens sur des adolescents. Des grands camions blancs sillonnent les rues des villes. Ils sont conduits par des hommes au regard froid. Ils entrent dans la chambre d'un enfant au milieu de la nuit, le traînent dans une camionnette, lui mettent les menottes et le conduisent dans un camp de redressement situé dans des contrées lointaines. Ce qui semble être un cas évident d'enlèvement est vraiment compliqué par le fait que les parents de l'enfant ont non seulement autorisé cette intervention, mais l'ont aussi payé. Alors, où vont ces enfants et que se passe-t-il dans ces lieux ? 10 miles in the middle of Escalante, Utah. It's a very, 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 very small town. It's got one gas station, one grocery store. Everybody knows everybody there. You see you're in the middle of nowhere. You know there's nowhere to run. For the first 3 days you're there, there's no showering. They put you in a circle, which is it's a teepee. It's a little teepee, but it's open. And you have to sit there for 3 days. They wouldn't let me lay down for nothing. Like, I was falling asleep and they were like, get up. So I'm just sitting here. Like, this is gonna be really bad. Thomas avait tout juste 16 ans lorsqu'il a été envoyé à la Elan School, une institution très controversée pour adolescents en difficulté. Au début, il était confus, effrayé et surtout, il s'est vite rendu compte que quelque chose clochait dans cet endroit. Les règles étaient strictes, impitoyables et Thomas a rapidement compris qu'il fallait être sur ses gardes en permanence. Tout ce qu'il faisait ou disait pouvait être utilisé contre lui. Malgré toutes ces difficultés, le garçon a essayé de s'adapter à la vie à Elan. Il a travaillé dur pour se conformer aux règles, il espérait en fait que cela lui permettrait de sortir plus tôt. Mais ses efforts ont été réduits à néant lorsqu'il a été accusé, à tort, d'avoir enfreint une règle. Et en plus, ce n'était vraiment pas grand-chose. Un simple mal de tête. La douleur était si forte qu'elle empêchait Thomas de participer aux activités. Et ça, c'était interdit. Sa punition, participer à un combat de boxe, The Ring. C'est comme ça qu'il l'appelait. Entouré par tous ses camarades, Thomas est entré dans le cercle. Il était trop fatigué pour rétorquer, trop faible pour se défendre, alors l'adolescent a subi les coups, un à un, jusqu'à s'effondrer sur le sol, battu à mort pour s'être plaint d'un mal de tête. L'énigmatique école Elan a vu passer un tas d'adolescents entre ses murs. C'est un endroit mystérieux, controversé, souvent comparé à un camp de redressement pour adolescents difficiles, mais c'est un petit peu plus sombre que ça. De 1970 à 2011, l'école a accueilli des adolescents de tous les horizons. Il suffisait d'une petite bêtise pour se débarrasser de ses enfants à Elan. Le premier indice que quelque chose ne tournait pas rond à la Elan School, le manque de communication. Des parents ont commencé à se plaindre en disant qu'ils n'avaient aucune nouvelle de leurs enfants, et ce depuis leur arrivée à l'école. Et on peut l'expliquer par le fait que, à Elan, les appels téléphoniques étaient interdits. Les lettres étaient réceptionnées à l'accueil et elles devaient être lues avant d'être distribuées. Ces soupçons ont été confirmés par le témoignage choquant d'un ancien élève de la Elan School. Dans un livre écrit plusieurs années après sa sortie, il a décrit un système de punition brutal. Ça incluait des privations de sommeil, des humiliations publiques et même des agressions physiques. Une ancienne élève, que nous appellerons Karen, a elle décrit en détail comment elle avait été forcée à ravaler son propre vomi un jour où elle avait été malade. C'était à ce niveau-là, ok? Les abus physiques étaient monnaie courante à l'école. Les élèves étaient battus, soumis à des brûlures, à des blessures et même à des viols. Les règles étaient vraiment rigides et toutes les personnes qui les enfreignaient s'exposaient à des punitions plus ou moins violentes. Il était interdit de prendre une douche de plus de 3 minutes, il était interdit de rester trop longtemps dans la salle de bain, il était interdit d'écrire sans permission,
il était interdit de regarder par la fenêtre. Et les étudiants qui enfreignaient l'une de ces règles subissaient bien souvent l'épreuve de la réunion générale. Pour vous faire une idée, imaginez un grand cercle d'adolescents hurlant sur un adolescent pendant des heures. Dans les années 2000, un ancien élève de la Elan School s'est rendu sur Reddit et il a organisé un Ask me anything. En gros, posez-moi toutes vos questions. Et on peut dire que son témoignage est extrêmement choquant. J'ai été envoyé dans une école appelée Elan School en 1998, alors que je n'avais que 16 ans. Ce qui est effrayant, c'est qu'Elan est toujours ouvert et que deux enfants âgés de 13 à 20 ans s'y trouvent actuellement. Des enfants normaux, dont beaucoup ont peut-être fumé un ou deux joints ou ont injurié leurs parents. Bien sûr, il y avait de vrais criminels, mais ils ne représentaient pas la majorité. L'école acceptait n'importe qui et le gardait aussi longtemps que possible en fonction de l'âge de l'enfant. Si vous avez été envoyé à 14 ans, beaucoup l'ont été, vous risquez d'être détenu pendant 3 à 4 ans. En effet, l'école Elan perçoit 50 000 dollars par an et par enfant, soit de l'État, soit de l'école, soit des parents de l'enfant. Et bien sûr, l'argent était la seule motivation du personnel et des directeurs. Nous étions forcés de participer à des clubs de combat organisés par le personnel, dont aucun n'était équitable. Tous étant conçus pour humilier un enfant qui devrait combattre face à au moins 3 autres. Ainsi, même les enfants qui suivaient les règles étaient obligés de se battre, au nom du bien. Les enfants qui essayaient de se rebeller ou de penser librement étaient jetés dans une chambre d'isolement où ils devaient rester pendant des mois. Ils devaient dormir sur un matelas sale. Le matelas était apporté à minuit et ils étaient réveillés vers 7h du matin. Nous étions tous contraints de participer à un rituel appelé Assemblée Générale. Pendant ce rituel, un groupe de 60 garçons et filles, ou plus, criait sur un enfant qui se tenait derrière un manche à balai. Toutes les lettres envoyées aux parents étaient contrôlées. Beaucoup d'entre nous devaient rédiger plusieurs versions différentes avant d'être acceptés. Tous les appels téléphoniques à nos parents étaient contrôlés. Nous avions droit à environ 15 minutes par semaine, et la personne qui contrôlait l'appel avait la main posée sur le bouton de raccrochage, comme un rappel constant de notre réalité. Nous n'étions pas autorisés à écrire ou à recevoir des lettres avant d'en avoir gagné le droit, ce qui pouvait prendre 8 mois ou plus. Lorsque quelqu'un découvrait où j'étais et m'écrivait, mes lettres non ouvertes étaient déchirées devant moi pour me motiver à progresser dans le programme. Les méthodes utilisées à Elan étaient extrêmement controversées, voire illégales, soyons clairs, et ce n'est pas vraiment surprenant que de nombreux anciens élèves décrivent cette expérience comme très traumatisante. En 1993, la fameuse école a fait l'objet d'une enquête par le gouvernement du Maine, et ce, à la suite de plaintes déposées par des parents d'anciens élèves. L'enquête a abouti à l'arrestation de plusieurs membres du personnel, dont le fondateur Joe Ritchie. En 1994, Ritchie est reconnu coupable de maltraitance d'enfants et il est condamné à 40 ans de prison. Même si la Elan School a fermé ses portes en 2011, l'histoire de cette institution continue à hanter les anciens élèves. Alors, on peut se poser une question, comment de tels abus ont pu être perpétrés pendant des années et comment ont-ils pu être tolérés surtout? D'abord, l'école a réussi à se présenter comme une solution efficace pour les parents, des parents souvent désespérés et qui cherchaient de l'aide pour leurs enfants en difficulté. Bien sûr, toutes ces méthodes controversées étaient gardées secrètes, personne n'en parlait. En plus, la Elan School avait des liens étroits avec beaucoup de personnalités influentes, notamment des avocats, des politiciens locaux, et toutes ces personnes-là ont aidé à protéger l'école contre les poursuites judiciaires pendant toutes ces années. Enfin, il est important de noter que la plupart de ces internes, de ces élèves de la Elan School, ont commencé à parler de leurs expériences traumatisantes seulement après avoir quitté l'école, puisqu'à l'époque, il y avait une grande stigmatisation autour des problèmes de santé mentaux, autour des troubles du comportement. Ces élèves ont eu beaucoup de mal à parler avant, juste à admettre qu'ils avaient été envoyés dans un tel établissement. Et justement, parlons de ces effets psychologiques. Qu'est-ce que ça fait d'être enfermé pendant des mois, constamment sur ses gardes, à l'affût des abus physiques, mais aussi des abus psychologiques? Ça fait mal. À leur sortie, les jeunes internés dans ces établissements montrent souvent des signes de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique. L'isolement, les abus physiques, les abus psychologiques peuvent causer des dommages psychologiques important et ce à long terme. L'internement dans un établissement pour adolescents en difficulté peut également affecter le développement social des jeunes. Puisque les internes sont souvent séparés de leur famille et de leurs amis, ils peuvent avoir du mal à nouer de nouvelles relations à leur sortie. Ils peuvent perdre confiance envers les adultes, envers les institutions, et ça peut vraiment nuire à leur capacité à s'intégrer dans la société. Aussi, à leur retour dans la vie normale, ces adolescents ne peuvent pas poursuivre une scolarité ordinaire, ce qui cause souvent des retards dans leur éducation.
Dans les cas les plus extrêmes, ces internements mènent à la mort. J'ai essayé de sauter du balcon devant Eva Carlston, quelques mois après mon arrivée, parce que j'étais tellement malheureuse et parce que je n'avais pas de moyens de communication non surveillés. Mon plan ridicule était de sauter du balcon et de me blesser pour pouvoir aller à l'hôpital et sortir de là. Je savais que si j'allais à l'hôpital, je pourrais parler à des gens. Je me suis rendue sur Reddit et j'ai trouvé une liste de morts liées à la Troubled Teen Industry et autant vous dire qu'ils sont très nombreux. Le premier date de 1950, il s'appelait Eduardo Facha Garcia, il avait 9 ou 10 ans et les causes de sa mort sont inconnues. Année 70, on a Lorraine Larrette, 17 ans, qui est morte froze to death, c'est-à-dire qu'elle est morte de froid avec une autre personne, Joyce Howden. Ok, trop bizarre. Joy Evans, 17 ans, est morte en 1976 parce qu'en fait, elle s'est étouffée. On a essayé de la nourrir de force et elle s'est étouffée. Et les familles dans tout ça, qu'est-ce que font les familles? La décision d'envoyer un enfant dans l'un de ces établissements n'est pas toujours facile pour les parents. C'est souvent une dernière option après avoir consulté des professionnels de la santé mentale, des conseillers, des agents de probation. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, pour certains parents, c'est un bon moyen de se débarrasser de leurs enfants. En fait, les familles sont souvent influencées par les brochures publicitaires qui sont trompeuses, les photos d'adolescents heureux, les témoignages de parents satisfaits. C'est souvent tout ce qu'il faut pour convaincre des parents en détresse à céder leurs droits parentaux à un établissement de ce genre. Bon, quand il s'agit d'un établissement de qualité, avec un personnel qualifié, les adolescents en difficulté peuvent faire de réels progrès, ok? Le souci, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen de savoir si ces établissements en valent le coup, y aller soi-même. Dans certains cas extrêmes, l'internement peut endommager la relation entre les parents et l'enfant de manière permanente. Il suffit que l'enfant ait été maltraité ou négligé pendant son séjour pour qu'il ressente une grosse rancune envers ses parents, quoi. De même, si les parents ont envoyé leurs enfants dans l'établissement sans tenir compte de ses besoins, de ses sentiments, sans faire les bonnes recherches, cela peut avoir des conséquences durables sur leur relation. Le problème qui se pose, c'est avant tout celui de la privatisation. Le gouvernement des États-Unis supervise ces établissements, mais ses possibilités d'action sont limitées. Un grand nombre de ces institutions sont privées. Elles n'acceptent pas de financement public et ça rend difficile l'intervention du gouvernement. Aussi, les réglementations gouvernementales varient d'un État à l'autre et elles ne peuvent pas être appliquées de façon uniforme. Il n'existe aucune norme nationale de formation ni de vérification des antécédents des employés. Une organisation peut exiger des diplômes universitaires, des certifications, et ce pour tout le personnel, tandis qu'une autre pourra simplement demander à ses employés qu'ils aient plus de 18 ans. Quand on envoie ses enfants dans un tel programme, on espère qu'ils seront encadrés par des professionnels. Et ce n'est pas toujours le cas. Un grand nombre de réformes sont nécessaires pour protéger les jeunes de ce système. D'abord, cette industrie doit être réglementée de manière beaucoup plus stricte. Des lois doivent être mises en place pour protéger tous les jeunes contre les abus physiques et psychologiques dans ces programmes. Tous ces établissements devraient être tenus de fournir une formation et une évaluation approfondie pour tous les employés, surtout pour les conseillers et les thérapeutes, c'est essentiel. Tous ces professionnels doivent être qualifiés et formés pour travailler avec des adolescents en difficulté. Enfin, je pense que des systèmes de surveillance doivent être mis en place afin de garantir que les jeunes soient traités de manière appropriée, mais aussi afin de détecter des éventuelles pratiques abusives ou négligentes. La Troubled Teen Industry est donc un terme assez général qui englobe un large éventail d'établissements et de programmes. Certains de ces établissements et programmes, beaucoup, ont été accusés de négligence, de mauvais traitements et d'abus, à un point où c'est important d'en parler, ok? Mais il est bon de rappeler qu'un grand nombre de ces programmes aident et ont aidé leurs internes. Le problème, encore une fois, est que on ne sait pas réellement ce qui s'y passe. On ne peut pas vraiment le savoir avant d'y avoir été. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like afin de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet, un sujet qui est assez méconnu en France. En attendant la prochaine vidéo, je vous demande de prendre bien soin de vous, et puis je vous fais des bisous.